Alors, pour ce qui est de l'écriture liée, donc déjà on va prendre l'outil texte. Ensuite, on va chercher une police qui est compatible avec l'écriture liée. Par exemple, Always in my heart ou à la main. Une fois que c'est tapé, vous pouvez cliquer en dehors pour défaire la sélection. Quand vous reviendrez dessus, ça devient un objet que vous pouvez manipuler et dont vous pouvez augmenter ou réduire la taille comme vous voulez. Donc là, on voit par exemple que toutes les lettres sont attachées sauf le F. Donc ce que je vais faire, comme mon objet est sélectionné, je vais aller cliquer sur le bouton dégrouper pour dissocier chaque lettre. Ce qui fait que chacune sera indépendante. Je pourrais y toucher séparément et je vais pouvoir rapprocher le F pour qu'il touche vraiment. Il faut qu'il y ait les lignes qui se croisent, vous voyez. Il ne faut pas que ce soit juste les deux lignes collées l'une à l'autre, mais vraiment qu'il y ait une partie commune entre les deux lettres. Pareil pour le I. Alors, ça, c'est au choix, hein. Soit vous dissociez les deux éléments pour pouvoir rapprocher le point et qu'il touche, soit il faudra utiliser le point à part. Celui-là, il sera forcément découpé, détaché. Je sélectionne tout et je vais utiliser le bouton souder. Voilà, vous voyez là, toutes mes écritures sont attachées, alors sauf évidemment le point du i. Donc ça, si vous voulez que ça reste d'un seul bloc, il faudra resélectionner et grouper cette fois-ci pour pouvoir l'utiliser comme un objet, le déplacer, le redimensionner. Voilà, donc ça marche avec pas mal de polices d'écriture. Par exemple, si on utilise Lorem Script, alors à l'écriture, les lettres sont plutôt détachées. Et elle ne fait pas les accents. Donc ça, il faut le savoir. Donc celle-là, si je l'agrandis, vous voyez que certaines lettres, elles touchent à peine celles d'à côté. Et en fait, dans la réalité, elles ne se touchent pas. Si je fais souder ici, toutes les lettres ne seront pas attachées. Donc ce que vous pouvez faire au moment où vous tapez ce mot, c'est gérer en fait. Je reclique sur le bouton du texte pour pouvoir revenir en modification dans celui-là. Voilà, sur le côté droit, vous avez la possibilité de gérer l'espacement entre les caractères. Si vous descendez un tout petit peu, du coup, toutes vos lettres seront collées et vous n'aurez pas besoin de les rapprocher toutes à la main. Voilà, une fois que c'est fait, toujours pareil, soudé. Et c'est bon, sauf les deux points du i qu'on groupe. Et vous pouvez vous faire tous les mots liés que vous voulez, les titres. C'est sans fin. Voilà!